Eh bien salut Sagi, bienvenue pour ce 65e épisode du Let's Play sur Dragon Quest 11 Switch. Je vais ramener les mini-médailles, on devait le faire. 75 tampons, un anneau attirant, quel bonheur maximal. Et aujourd'hui au programme, on va aller récupérer quelques recettes dans certaines villes et aussi faire les quêtes qui peuvent améliorer les hexagrammes de nos personnages ou des compétences. On commence par la 4ème page de l'album de médailles, la dernière sont enfin prêtes. Ouais, on a notre coffre. Jamais sans mon chapeau. Qu'est-ce qu'on a? Coffre printanière, estivale, automnale et hivernale, bien sûr. Les saisons. 90. Prochaine récompense. 5 d'équipement. Anneau attirant. Parce que je retourne pour que des variantes rares de monstres. Trop bien. Pour remplir un objectif de quête ou une fois un monstre rare, je pourrais équiper ça. Parfait. C'est parfait. Allez, on sort. Téléportation Octogonia. J'ai raté des choses. On me les a notifiées par commentaire. On va faire ça. Par ici, il faut que je trouve les deux guerrières. Là. Tenue stellaire. Et toi la même chose, fleur stellaire. Encore des équipements ça. C'est un chapeau, puissance magique, défense. Défense et charme. Pour Véronica, les deux pour Véronica. Ouais. On va voir un petit peu ça. Tout ma chère Véro, tu es là. À la place du truc chat noir. Fleur stellaire. Tu perds en défense. Tu gagnes de la puissance magique. Bon, je joue pas trop sur la puissance magique. Et enfin l'autre. Tenue stellaire. Bon, la même chose. En fait, c'est juste pour avoir un skin de la petite fée dans DQ9 normalement. Tramistella. Si je me trompe pas, hein, bien entendu. Mais ça ressemble à un fleur stellaire. Alors, catalogue de quêtes. On va aller s'occuper. Pas de ça, non. 8ème page. On a Morgan ou l'art de la magie. Pouvoir magique de Théo qui sont améliorés. Les soins magiques de Serena qui s'améliorent. Donc là, il va falloir que j'aille à la lisse. Bon, on va commencer par ça, tiens. Et sagesse du roi des guerriers qui augmente le frappe vif d'Hendrick. Il faut retrouver des écrits à Galopolis, Niflheim, Fnodmen et Heliodor. Et ici, normalement, c'est que la bibliothèque royale. La partie orientale de Snerfelt. J'apportant. Tatata, flux de Seto. On va au journaliste. Comme ça, on va pouvoir récupérer aussi le cristal au fond. Partie intégrante de la quête pour recrafter l'épée de lumière. Par contre, la lisse, c'est en bas à gauche, non? Ou c'est ça? Non, c'est pas ici. C'est chez les veilleurs. C'est bien en bas à gauche. On y va! Et on se pose. Là, on va pouvoir remettre la flamme sacrée. Et en fait, recommencer cette petite partie. Elle est déjà faite auparavant. Un petit puf puf. Oui. C'est reparti. On va refaire celui-là. On va s'envoyer en l'air, MDR. Oui. C'est parti. Pouf pouf. Et
Ah, ah. Appréciable. Ça fait quoi? Ça fait du bien. On peut le dire. Ah, juste là. Je peux éviter le monstre. De toute façon, on va le faire quand même, mais bon. Tire de Minerve, robe de Minerve. On y va. Christ amphibien. Et Serena qui a reçu un boost dès le début. Je vais juste y aller comme ça parce que je sais qu'il est extrêmement puissant. On se transforme directement. Et comme j'ai pas reçu l'effet de super décuplo, je vais me le mettre. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire sur sa trombine? Bah, danse de l'épée, hein. Comme habituellement. C'est. Critique 715. Ouais, voilà. Quand on dit qu'il fait mal, c'est qu'il fait très mal. Jusqu'à en mourir. Donc on peut y retourner. Il a abusé lui, il a abusé. C'est bien, on est de retour juste devant. Alors je vais avoir besoin de 2 méga protection parce que. Vu comment je morfle. Je vais quand même garder le héros principal parce que c'est lui qui fait le plus de dégâts. On va faire ça comme ça. Allez. Et on recommence. Serena, j'étais boosté. Méga protection directement. On a compris. On a bien compris. Encore méga protection. Il faut que je trouve. C'est le héros principal. Danse de l'épée. Et c'est là. On dirait que t'as assez d'agilité de toute façon pour commencer en priorité. Eh, malgré ça, 329, hein. Est-ce que j'aurais pas un petit Théo en état hypertonique? Non, j'ai que Véronica. Ah. Ah, ça pourrait être pas mal avec elle. C'est un chevaleresque, important de rendre un complément pour le coup. Ils se protègent mutuellement. C'est bien. Me le taille en pièces, double peine. Pousse d'attaque, ça me sert à rien du coup comme j'ai boosté. Allez, c'est mon chevaleresque. Avec une barrière magique peut-être au cas où. On va faire ça. Et bien sûr on se soigne à l'omni soin. Donc là s'il reçoit des coups, il renvoie. C'est qu'ils se défendent entre eux en fait. Ok. C'est pas folichon, hein. Mais vraiment, tout feu tout là-dedans. On va rester comme ça. Désespérer. Faire quelque chose qui me protège. Quelle qu'elle soit. Là c'est. Je suis tellement morflé. Hein. Défense ultime. Avec super accéléro. Voilà, soin méga avancé. Juste au cas où. Faut vite le buter. Hein. Attaque pas le héros, s'il te plaît. Ok, c'est cool. Hey, ce qui est bien, c'est qu'il a vraiment tout pari.
J'ai fait une défense ultime, donc de base, j'aurais rien reçu, pratiquement. Toi, tu me sers plus trop. Si je vais quand même faire danse des soins. Et là, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec Serena? Avec la moitié de ses PV. Grâce à la DS. Ah, c'est que pour Serena? On va choisir qui? Hihi! Hihi! C'est parti! Serena, raison de la guérison. Méga protection. Non, pas méga protection, défense ultime. Super accéléro. Étape. C'est. Et vaincu. Très peu de PV, mais vraiment les dégâts qu'il nous met. On arrive même à XP sur lui. C'est pour dire. 19 points. Qu'est-ce que je pourrais acheter pour 19 points? Hypertonique. Là, on a de l'éclairé aussi. Compétence épée normale. Ou juste un soin complet. On peut attendre hypertonique. Cristal d'harmonie, apportez-le au luthier du refuge céleste. Voilà. Soignez tous. Et enfin, agis. Protection sacrée. On va continuer. On va aller dans le fond. Je suis monté tout en haut. Ça va pouvoir récupérer l'oricalque rare. Afin de forger une nouvelle épée de lumière, mais ça attendra quand même pour la refaire. Je vais assez vite hein, sur les livres. Hein. Attends, Agi ne comprend pas la phrase. Ah, si, c'est bon. Dans sa mémoire. Donc, peut-être que ça a récupéré justement pour une de mes quêtes. Celle-là. Mais il faut que je trouve les autres livres. Et ici, ça dit à Sniffleheim, mais c'est aussi dans la bibliothèque royale. Donc là, pour Hendrik, on a récupéré un secret de la défense, un des enseignements de Tristan. Toujours à la poursuite des autres livres, j'en ai trouvé deux. Et ben voilà, on a tout ce qu'il faut. Là, c'est pour Théo. Reste plus que notre cher Hendrik, et puis ce sera bon, on ira remettre les quêtes. Allez, on va visiter les zones qu'il faut qu'on aille voir. On va évacuer. Excuse-moi, Prince Faris. Voilà, un des enseignements de Tristan et après le secret de l'attaque. Prochain, ça en fait deux là, sur quatre. Parfait, c'était ici. Le secret de l'esprit. Et l'autre c'est tout proche de Fnodmen, la grotte du promontoire. Ah, si toi là. Dans le lit. Alors, je vais vous battre le Conga Bongo qui perturbe son sommeil grâce au combo d'équipe appelé le Persécuteur. Persécuteur et Torpeur. Ok. Et un autre, la Torpeur. Ouais. Bon, ça, je fais de mon côté. C'est clair et net. On sort. Petite protection sacrée. Et on va aller tout en bas. Très bien, la position de Zagreb n'a pas fonctionné quoi. Deux fois plus, sait-on jamais. Alors, bouquin, ça va être celui-là. Hihi. Et maintenant on peut vérifier, catalogue de quête, 8ème page. Encore un effort, encore un effort, encore un effort. Mandalay.
Refuge céleste. Et refuge céleste. Et après, écoute, ce qu'on va faire, c'est... On va aller se taper quelques mots de passé. Il était juste là. Tiens, mon ami. Pour magie de Théo améliorée. De 50. Et c'est vraiment pas rien. Hein. Surtout Théo qui mélange les deux. 50 points puissance magique, 50 points soins magiques. Moi, bon, soigneur que Serena, certes. Mais il reste bon au cas où qu'elle est morte ou autre. Hein. Et le refuge céleste pour les deux derniers. Alors, une partie à gauche et l'autre tout en haut. Frappe au vif d'Hendrick. Bon, c'est pas un truc très très fort non plus, je trouve. On va voir ce que ça vaut. Avec l'amélioration. Beau travail! C'est même plus simple en 2D à trouver ces fameux livres qu'en 3D. En haut. Ok, Bab. Tiens, mon cher Amibou. Prends arbre de Serena. À savoir, c'est que l'arme de Serenica, les soins magiques de Serena augmentent de 100 points. Et ça aussi, c'est cool pour multi-soins. Bon, même si en soi 100 points, ça équivaut pas. Par exemple, tu soignes du 200, tu as soigné du 300. Loin de là. Chronopolis. On va aller se reposer. Encore une fois, je vais sauvegarder. Comme à chaque fois qu'on viendra ici. Prochain épisode, est-ce qu'on pourrait faire pour le coup? Bah, je vois rien d'autre que les épreuves de Tristan en fait. Ça avance au fur et à mesure. Ça prend un petit peu de temps, c'est vrai. Moi j'aurai encore des choses à faire hors caméra. Très clairement sur les quêtes secondaires. D'ailleurs, pour les notes de Noé aussi, on m'a dit hein, que ça n'existe plus. C'est pour ça que Eric a détecté trésor. Ouais, c'est ça, des trésors. Alors, on va s'occuper de quoi dans cet épisode? La vallée secrète. Allez, la vallée secrète. Tout le monde qui danse sont heureux. Enfin, on l'espère. On va les voir. Attrapé! Ah! Non, je t'en supplie! Écoute-moi, c'est Saint-Maglion, mais je suis une plumaine tout comme toi. Je m'appelle Elisa, je suis une fille du village de Gluant. Je voulais travailler ma magie, alors j'ai utilisé un sort appelé Morph pour me transformer en Gluant. Mais c'est alors qu'un monstre affreux est sorti de nulle part. J'ai lancé un sort avant de disparaître. Maintenant, je n'arrive plus à me sortir de ce corps, quelle poisse! Les Glumains qui vivent ici protègent quelqu'un de très important. Ils se méfient des étrangers, surtout des monstres. Pourquoi ne pas imaginer le sort qui m'attend s'il m'attrape? Tu dois lever le sort que ce monstre a lancé sur moi. T'en supplie, je sais que ce n'est pas une requête ordinaire, mais acceptes-tu de m'aider? Oui. Capable d'annuler tout, les mauvais sœurs. Va forger ce bâton et rapporte-le-moi. Forger un bâton de sage suprême avec la transforge. Je peux pas le faire ici. Ouais, là j'ai pas le droit. Bâton de sage suprême. Par mes gardes, est-ce que j'aurais pas ça sur moi? Bah apparemment... Si. Mais j'aurais pas équipé à quelqu'un? Non, bah vas-y, prends. Et bah voilà. Pas besoin de son kikiné. Merci beaucoup, je suis redevenue humaine et c'est grâce à toi.
Tiens, prends ça, c'est moi que je puisse faire. Tu es mon slover. Tu peux lâcher cet accent à De Gluant, s'il te plaît. Carminite. Elisa a la magie de métamorphose. Minute, n'est-ce pas un peu bizarre quand on voit que Story Gluant disparaît, enfin Elisa revient accompagnée d'un étranger. Cela devait être de mèche. Ah. Ah, ah, ah. Attendez, vous trompez, laissez-moi vous expliquer. Ce jeune homme, il... Casse-toi de là, Elisa, ce vaurien va devoir prendre de ses actes. N'allez pas m'écouter, c'est trop dangereux de rester dans le village pour le moment. Nous allons devoir nous éloigner un peu. Bah j'aurais pu les combattre, hein, au pire. Hein. Vas-y, Elisa. Aussi simple. Bah, écoute, bravo à toi. Hein. C'est le temps, tu veux bien que je te montre comment le morph... Oui. Morph. Hé, qu'en dis-tu, je vais lire, non? Morph est vraiment assez incroyable et tellement pratique aussi. Si maintenant encore, je sais qu'il me servira pour aider quelqu'un un jour. C'est tout ce que j'avais besoin de faire ici. D'accord. Bon, c'était simple. Yes. Un autre livre terminé. Pareil, ça s'avance plutôt bien. La colonne de Pégase. C'est un sanctuaire à l'honneur de Pégase, mais il ne contient que sa dépouille. Il lui manque son cœur, hélas. Il était dérobé, vois-tu, quelqu'un l'a pris, personne ne sait où il se trouve. Certains pensent qu'il sera un jour rendu à la tour et que Pégase sera à nouveau libre. Ça fait un moment que ce bruit court, mais à mon avis, c'était pas près d'arriver. Alors, il y a beaucoup de chevaux, on arrive à leur parler. Aïe. Doucement, pas sur des grands chevaux, tu es une sorte d'aventurier, n'est-ce pas? Alors je t'en prie, écoute ce que j'ai à dire. Cette tour, c'est la colonne de Pégase. C'est un lieu sacré qui abrite une statue de Pégase. Le vieil homme qui veille sur cet endroit est mon maître. Il adore tout ce qui touche aux chevaux. Cependant, il est parti il y a un moment et n'est toujours pas revenu. Je m'inquiète pour lui. Je ne voudrais pas mettre la charrette avant les chevaux, mais j'ai entendu dire que Pégase retrouvera la vie quand son cœur disparu lui sera rendu. Où est-ce qu'il est, ton maître? Oui? Ah, il est monté dans la tour. Au sommet, bien sûr. Allez voir ça pour un brassard de choc. Très attention au piège. Ici on a une porte. Ok, est-ce que je peux dormir? Non, je ne peux pas dormir. Oui, ben. On va remettre, hein. J'ai envie d'esquiver les monstres. Aïe, aïe, aïe. Et là-haut, tu vois, il y a un escalier avec un coffre. 126, 121, oui, c'est du 5. T'es plus très sûr. Graine de magicalité. Alors, déjà, la graine de force. Magie. C'est vrai que les graines de magicalité, je les ai pas données. J'utilise tellement peu la magie. Peut-être avec le héros. Hein. C'est vrai, moi qui adore la magie là sur cette version là, j'utilise un peu moins. On va mettre ça sur Agi. Genre pour méga foudre et tout du genre. Deux escaliers. Celui-là c'est bloqué. Je crois que c'était la même chose en TQ4. Enfin, ça me rappelle des trucs. Allez, on va voir qu'est-ce qu'il y a comme genre de monstre. Des monstres que je n'aime pas. Si, cavalcade du chaos. Sur l'enfer, sur le canobombe. Un gros quadrilacère. Ça, je vais m'en protéger. En tout cas, ça tape n'importe qui.
fois, cette fois, 8 fois. C'est fort, en effet, sur un seul monstre. C'est... 2 dégâts. Rien du tout, mon ami, rien du tout. On va même te balancer un méga tornade. Et en plus aucune expérience. Fais-le, cool. Bon, j'en avais pas mal déjà sur moi. J'ai donné un peu à tout le monde. D'accord, donc là ça a un escalier en haut. Ça va être le même. Là, on sort par le balcon. Ah, j'avais même pas vu cette porte. Très bien. Trois coffres et c'est bloqué. Ouais. On va du coup cet escalier. Là après je peux descendre. Un balcon où il n'y a rien. Ouais donc c'est bien ça. Il reste ce passage à droite. Oh. Un coffre de ce côté. Par là avant. Ah, je m'en souviens. Ah, imite à peur. Et comme ça améliorer frappe au pif, et ben on va faire frappe au pif. Avec un saut d'enfer, dans de l'épée, et toi, à l'inventaire sur AJ. Je vais pas être one shot. Mmh, 576 Qui pourrait donner la graine de compétence? Roger. Aïe. Ça va, on tombe pas très loin. De magicalité encore overdopé notre héros principal. Tac. Encore un autre coffre avec graines de force. Attends, il y avait les trois coffres, du coup on y va comment? Puisque là on va arriver tout en haut. Il manque un passage. Est-ce qu'on peut y accéder? L'homme et la statue de Pégase sont enveloppés d'une lumière aveuglante. Quelque chose d'étrange arrive à l'homme. Oh, ah, en pitié, la statue, un après moi et mon entier. Pourquoi je n'ai pas le cœur de Pégase? Papy Pogriffe. Papy Pogriffe. Ok. Un boss. Fallait bien un. Accélère. Oula, réflexion. Donc pas de sang sur sa trombine. Il est agile, hein. Donc c'est un piaf. Tout à fait normal. J'ai rajouté super décuplo sur Hendrik. Je me suis pas fait frapper. Bon bah super accéléro. Ça va.
va aller assez vite. Est-ce que frappe au pif fonctionne avec ça? Je vais bouger Sylvando et mettre Véronica. Qui est aveugle. Non, on va pas le faire. Je veux juste une altération. Parfait. Et puis, ouais, on va soigner. Hein. Bizarre. Pas du tout fort. Ah ben oui. La réflexion. Bon, il est vaincu. Ouais, un monstre faible. Oh, merci mon petit. La cavalerie. Oh là là. Ah! Eh, bien sûr, des monstres emblématiques des Orion Quest. Hein. Juste avant et celui-là. Oh bah, on est reparti une nouvelle fois. T'as pas super du plus toi? Si, tu l'as. Hein. Pas pour rien, je pense que l'autre il était faible. Ça agit deux fois, bon, ça sert à rien. Deux fois super décuplo. Serena. Ou mon bateau magique. Vas-y. On bourrine. On bourrine. Là, de toute façon, je vais utiliser tous mes PM avec les deux personnages. Je sais pas. Au pire, derrière, je vais relancer l'explosion magique et puis on va bien voir. Hein. Soyons bourrins. Allez, 3000. C'est ça. Les deux perdent tout leur PM. Moins 3000, dégage. Il n'est pas un mauvais cheval. Nous allons descendre. Retrouve-nous à l'entrée de la tour. Ouais, mais attends, il y a les coffres comme je t'ai dit, là, ça me paraît... Très étrange. Là, on n'a rien vu. Par où on pourrait passer. Là non plus. Ça, c'est la même. Il faudrait pas que je tombe quelque part. Genre ici. Ah. Ok. Ok, ok, ok. Donc il y a bien un endroit où il va falloir que je tombe. Faut trouver quelle zone. Ici. Non. Le petit carré. Non plus. Je pense que c'est ça. Hein. On a l'air de gros débilos à faire ça. Non plus. Par là. Ça va bien. Peut-être là. Non. Attends, parce que dans la logique des choses, si cet escalier est ici, je tombe là. C'est encore un étage inférieur. Non, il y a un passage sur le côté. Mais à l'étage inférieur. Ah. Est-ce que ce
pas caché quelque part là. Eh si! Couronne de lion. Ouh. Graine de vie. Ouh. Fleur du dragon. Ouh. Tiens, j'ai encore. Mange. C'est bon les graines. C'est pas comme dans les DQ8 3DS chez les abonnés, hein. Faut que je les lancer. De les jeter. Après, est-ce que je peux faire Evac? On va sortir à la normale. Et on va en terminer avec cet épisode. Ce sera pas trop mal. Un peu parti en tout et n'importe quoi, il y aura pas mal d'ellipses, mais bon. Il y a encore des mots de passé à faire de toute façon. Encore et encore. Le chevalier de la tour. On se tire. Voilà, il m'en manque un. K10. On a débloqué, Galerie Malmerveille. Là, c'est Jessica. Encore quelque chose à faire ici aussi, mais c'est dans ma liste de quêtes, logiquement, et le pic des tisseurs. Vas-y, on va aller voir Pic des Tisseurs, s'il n'y a pas... juste une quête normale sans boss, ce serait cool. Ouais, mais peut-être se soigner quand même, au cas où. On sait jamais. Re-sauvegarde avec le soin. Et on va entamer cette partie-là. Messieurs, dames. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Un mec masqué. Quel objet. Et Mélodie, bien sûr, que j'allais te parler. Son frère, vois-tu, allé au marché au pied de la montagne afin de récupérer la couronne sacrée pour le festival du village. Et depuis son retour, elle est complètement différente. Tellement chic, je dirais, il n'avait jamais montré le moindre intérêt pour la mode avant. Voir des habitants du village, je le trouve très élégant, mais je trouve ça quelque peu étrange. À dire, je pense que cet homme n'est pas mon frère. J'entends bien démasquer cet imposteur. Quelle est idola. Vos carrés de tulipes, c'est la grande auberge. D'accord. Tu me laisses juste fouiller un tout petit peu? Ah, je peux pas. Ils ont tout bloqué. Ils ont même mis des arbres ici devant. Ouais. Minou. Bon, carré de tulipe, arbre des aventuriers. Hop là. Ah, ça tombe bien, je crois qu'il y avait encore un truc à faire ici. D'accord, ouais. Un de ses amis. Là, c'est pour acheter, je m'en fiche. Avec toi, tulipe. Ben. C'est pas ça. La musique sans sistre. Toujours ce truc, hein. Il vous a dit que les mots. Ah, bah, tu vois. Il m'a réveillé en plus. Essayez de poser quelques questions dans le carré de tulipes au Havre des Aventuriers. Ah bah voilà. Ah ouais, bon c'est les galeries mal merveille. Excuse-moi, j'ai pas tout lu, c'est vrai que j'y vais assez vite. Non bah ça me paraît bien. Du coup, j'espère que tu as apprécié cet épisode et puis je te donne rendez-vous pour la suite de notre aventure sur DQ11 Switch mode 2D et mode très difficile. Je te fais des bisous, des off-care et à la prochaine. Salut, normalement, hein, prochain épisode, les épreuves de Tristan. Puis on verra aussi pour la 3D comment je pourrais me débrouiller.